Aujourd'hui, Angelo va donner une potion à Diabolofit 35 lui permettant de vivre la vie de Sirenhead pendant 24 heures. Diabolofit 35 commencera sa vie en bébé Sirenhead, puis il deviendra adolescent, il grandira et deviendra adulte, il vieillira et deviendra un vieux Sirenhead, puis enfin il mourra. À chaque étape de sa vie, Diabolofit 35 en Sirenhead débloquera des nouveaux pouvoirs, tout ça dans un jeu qui va être très sanglant. Et oui, aujourd'hui je vais vivre la vie de Sirenhead, l'un des monstres les plus terrifiants que nous n'ayons jamais rencontré. Ça va être incroyable, je pense, les abonnés. C'est pourquoi, étant donné que c'est une vidéo exceptionnelle, j'ai beaucoup d'invités aujourd'hui. Nous avons Booba, nous avons Angelo, nous avons Jack, nous avons Reason, nous avons Caris, nous avons le lieutenant Christian et nous avons Booba qui vont tous jouer à mon jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Angelo va me donner une potion me permettant de vivre la vie de Sirenhead pendant 24 heures. Et pendant ces 24 heures, je dois essayer d'éliminer tout le monde. Sauf qu'ils ont eux aussi le droit de me tuer. Le truc, c'est que je suis énormément avantagé avec mes pouvoirs en tant que monstre. En plus, là, vous allez voir, Sirenhead, ça va vraiment être du très très sale. À mon avis, je vais avoir des pouvoirs de fou furieux. Je vais être tellement puissant, ça va être vraiment, je pense, l'une des meilleures vidéos. Je vis pendant 24 heures la vie d'un monstre. Du coup, là, je vous conseille de vraiment bien vous équiper niveau équipement parce que là, ça va être du sale. Donc prenez tout ce qu'il faut, prenez des grosses armes. Là je vais vous voir avec les plus grosses armes que vous ayez jamais eu. Bon, peut-être pas trop cheaté non plus, t'as vu. Mais genre petit AK etc, ça me convient. Petite épée de cheaté, c'est pas mal aussi. Petit arc pas mal, voilà, c'est lourd. Donc voilà, peut-être dans cet épisode là je vais mourir, on verra bien. Quoique la dernière fois il me semble que je suis mort des mains d'Angelo, c'est vrai. Effectivement, la dernière fois Angelo m'a buté. Et d'ailleurs aujourd'hui, vu que c'était une vidéo exceptionnelle, nous avons changé de terrain de jeu. En effet, tout ceci va se passer dans une nouvelle zone de combat en dessous de Scarymoon préhistorique. Bon, Angelo, je sais pas où est-ce que t'es passé. Ah, c'est bon, t'es juste ici. Bon, Angelo, c'est à notre tour. Voilà, tu vas me filer une petite potion, tu vas faire tes petites incantations. Et je vais vivre la vie de Sirenhead pendant 24 heures. Ça va être exceptionnel. On va tout kiffer, ça va être énorme. Restez bien jusqu'au bout. Je pense que franchement, Sirenhead vieux, ça vaudra le coup. Il va avoir des super pouvoirs. Et même, je crois qu'il est vraiment stylé. Vous l'avez peut-être vu en intro. Du coup, voilà. Bon, du coup, Angelo, vas-y, je te suis. Let's go. C'est parti. Tu t'es prévu du lourd pour cette fois. Vas-y, vas-y, carré, vas-y, vas-y, je suis super chaud là. Je suis chaud bouillant. Confiance, hein. Ouais, vas-y, j'ai 100% confiance. Alors, il m'a préparé peut-être un nouveau truc pour que je me transforme. Bon, j'ai confiance, mais à chaque fois avec Angelo, tu sais bien, il faut quand même avoir un petit peu peur parce que ce sont des trucs un peu chaud bouillant, quoi. Allez, let's go. Ok, ok, vas-y, Angelo, okay. Je dois faire quoi là? Je dois rentrer dans le mur comme dans Harry Potter, genre? Ouais, je préviens quand même pour les autres, après cette porte là, il y aura que toi qui pourras survivre. Sinon, bah. Ok, bah vas-y, y'a quoi qui rentre, hein. Sinon, vous allez tous mourir, hein. Alors, du coup, je vais faire comme dans Harry Potter, c'est parti. Ok, ça a absolument pas marché, je me suis juste éclaté la tête. Vas-y, on commence, on y croit. Vas-y, on commence, vas-y, ok. 3, 2, 1, c'est parti. Aïe, ok, je me suis. Oh, oh. Ah. Ok, ok. On refait. Vas-y, en arrière. En arrière, vas-y. Go, 3. Un crâne en béton. Vas-y, c'est bon, je suis rentré. Wow. Ok, où est-ce que je suis? Ok, ok. Aïe, wow. Mais attends, mais c'est des barrières électriques. Bolo, regarde, par ici. Wow. Ah, ok. Eh, mais toi, tu peux survivre ici, toi aussi? Ok, ok. C'est chez moi, ici. Vas-y, go. Bien sûr que je peux survivre. Go, je prends le bateau. Ok. Ouah, wow, attends, mais. Ouais, mais où est-ce qu'on est? Elle est horrible cette salle-là, c'est une salle de torture. T'es passé où toi, Angelo? Elle est disparue. Ok, bon, bah, les abonnés, je dois suivre ce chemin. Ok, c'est une salle d'interrogatoire, ça. Ou je sais pas, un parloir, c'est bizarre comme dans les prisons. Ouah, wow, mais c'est ultra glauque. Mais où est-ce qu'il m'emmène encore, Angelo? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça en fait sous l'aéroport? Genre, what? Attends, mais c'est quoi cette pièce-là? Attendez, je vais m'arrêter parce que c'est quoi ce délire? Il y a une télé qui bug là, c'est un peu chelou. Ici, il y a une tête de zombie. Ok, il y a des instruments de torture, un pentacle. C'est assez... Oh, wesh, il fait quoi lui? Ouah, mais c'est quoi ça? Oh là, mais what? Ok, mais pourquoi l'eau est devenue rouge comme ça? Wow, c'est tellement flippant. Ok, on va descendre par là. Oh, ok, j'ai eu peur pour ma vie. Là, c'était vraiment très très chaud. On va continuer dans les rapides. Ok, là, je fais du canoë-kayak, c'est cool. Bon, dans une ambiance un peu d'enfer, mais vas-y, au calme, hein, c'est bon. Ok, on arrive jusqu'ici. Ok, nice. Ok. Oh, c'est écrit quoi ici? Abonne-toi. Oh, mais qu'est-ce que ça fait ici? C'est vraiment bizarre qu'il y ait un panneau abonne-toi juste ici, hein. Bon, du coup, je crois que c'est le moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification si c'est toujours pas fait. Voilà, si tu me découvres sur cette vidéo ou alors que tu n'as toujours pas abonné à la chaîne, eh bien, je t'invite à le faire dès maintenant. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça, je ne verrai plus mes prochaines vidéos.
Et puis surtout parce que c'est écrit sur le panneau, voilà. C'est obligé de le faire vu que c'est écrit sur le panneau. Voilà, abonne-toi. Tu peux aussi mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, puisque je le rappelle, à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je ressors un nouvel épisode un petit peu du même type, c'est-à-dire voilà, avec un nouveau monstre pendant lequel je vis sa vie pendant 24 heures. Et du coup, voilà, 10 000 pouces bleus, je sors automatiquement un nouvel épisode. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire le monstre que vous aimeriez simplement que je vive pendant 24 heures. Du coup, voilà, 10 000 pouces bleus est égal à un nouvel épisode durant lequel je vis la vie d'un monstre pendant 24 heures. Et évidemment, tu peux me dire en commentaire le prochain monstre dans lequel tu aimerais que je me transforme. Bon, du coup, on va prendre ce petit wagon. Ok, j'ai fait un tour. Ah, ok, ok, j'ai rien vu. Wow. Oh, quoi? What the fuck, c'est quoi tout ça? Wow, mais attends, mais... Wow, 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 wow. Mais pourquoi il y a un tapis de caries ici? Wow, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? Attends, mais c'est une nouvelle salle encore. Eh, mais t'as combien de salles, Angelo, sous l'aéroport? Et lui, il vient de grandir d'un coup. What? Ok, ouais, mais ouais, attends, c'est... C'est qui eux? C'est tes amis? Pose pas trop de questions. Ouais, vas-y, vas-y. What the fuck? Mais où est-ce que je suis tombé encore? C'est hardcore. Bon, ok, je vais au milieu du pentacle, je suppose. Non, vas-y, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. Ok, ok. Bon, écoutez, ils sont... What? Attends, c'est tous autour de moi? Il fait quoi, lui, là-bas? Bah, ils sont pas trop dangereux. Ouais, vas-y, c'est super oppressant, c'est super oppressant. Waouh, attends, il sort son épée, lui. Eh, attention, 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 attention. Ils sont tous là, là. Waouh, c'est tellement glauque. Bon, vas-y, vas-y, Angelo. Vas-y, je suis prêt, là. Incante-moi, je sais pas quoi. Fais des trucs. Vas-y, Angelo. Fais des trucs, t'as pas peur de te transformer en vache ou... Non, c'est bon. Eh, lui, il est grand, hein. Ok, ok, vas-y. Dès que je dis abonne-toi, des trucs comme ça, c'est trop dangereux. C'est flippant, mais c'est stylé, en vrai. C'est flippant, mais c'est stylé. Mais c'est très flippant, quand même. Vas-y, go. Vas-y, go, go, go. Allez, on va commencer les incantations. Vas-y, let's go. Ok, c'est parti. Ok, la potion, la potion. Serenade Life, 24 heures. Ok, c'est bon, j'ai bu la potion. Je commence à me sentir bizarre, les abonnés. Ok, le son, je vais partir. Oh, oh. Ok, ok, ok. Oh. Comment est-ce que je suis? Wow, oh, oh, oh. Stylé. Je suis un bébé Serenade. Ok, c'est stylé. Waouh. Waouh. Alors là, par contre, la vitesse. Oh, la vitesse. Ok, stylé. Eh bien, écoutez, on va se faire une petite épée en fer. Regardez, il y a des petits blocs de fer juste ici. On va même carrément se faire un stuff en fer. Ça va être très, très cool. Ok, par contre, comment est-ce que je passe par-dessus? Ok. Oh, la vitesse. Incroyable. Oh, je kiffe, hein. Je kiffe la vitesse. C'est trop stylé. Ok, par contre, si je pouvais poser les blocs. Ok, comment ça... Comment j'ai réussi à poser un bloc ici? What the fuck? Ok, bon bah apparemment j'ai réussi, hein. Hop, hop, c'est bon, tac, tac, hop, tac. Ah, c'est chaud à gérer quand même la vitesse. Ok, c'est bon. Du coup, un peu de bois, c'est parti. Ok, ok, on se fait du coup notre petit stuff fer avec les petits blocs de fer qui sont juste là-bas. Ok, donc déjà, niveau vitesse, je me sens très très bien. Là, franchement, on est très rapide, tout ça, c'est vraiment cool. Je me sens aussi un petit peu résistant, ça c'est cool aussi. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne les combats. Ok, j'ai été trop rapide en besogne, voilà. Tac, tac, voilà, tac, 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 voilà. J'ai déjà ma petite pioche en bois. Let's go, maintenant, on va prendre du coup... trois petites pierres du chemin pour se faire un petit, une petite pioche en pierre. Let's go, c'est bon. Petite pioche en pierre, voilà, on est bien. On passe de l'autre côté. Oh, ça va être très rapide aujourd'hui, mon stuff. Désolé, je mets un peu de temps à faire du stuff. Faut que j'aille tout au bout là-bas. Là, il y avait directement de quoi faire autour de moi. Du coup, c'est vraiment très très cool. Par contre, je suis petit. Pour l'instant, je suis petit, je suis bébé Serenade. Donc, je suis petit. Écoutez, je suis petit. C'est pas non plus la fin du monde, mais je suis petit. J'espère quand même grandir un peu au fur et à mesure de mon âge et devenir peut-être un giga Serenade. Ça pourrait être très stylé. Ça pourrait être vraiment très très lourd. Ok, let's go. Tac, tac. Ok, on a de quoi faire. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai de la vitesse, etc. Mais bon, on a déjà connu mieux. En vrai, de vrai, on a déjà connu mieux. On a déjà connu mieux niveau monstre. Après, je pense vraiment que ce sera l'un des meilleurs épisodes quand même. Du coup, voilà, ok, c'est bon, on a notre petite table de craft ici, tac, 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 voilà, et le petit full fer qui est déjà fait entièrement. Ah, non, il manque le casque. Oh, genre, j'avais pas fait le casque, dommage. Hop, ok, et du coup, il me faut une petite épée en fer. Mais c'est qui a osé m'attaquer, là? Wouah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh, je vais te buter, je vais te buter, je vais te buter. Regarde la vitesse que j'ai, regarde la vitesse que j'ai. Oh là 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 là, attention. Oh là là, bah alors. Oh, oh, oh là là. Oh là là. Wouah, attends, mais c'est quoi les dégâts qu'il me fait avec son épée, lui? Wouah, sérieux. Bon,
Du coup, la zone est très grande aujourd'hui. C'est tout autour de The Sky Moon. Alors évidemment, on peut pas passer par-dessus ça. Il y a une petite limite rouge. Voilà. La limite rouge, on la voit dans la montagne. Donc, on peut clairement aller dans la montagne. On peut aussi descendre dans le trou de The Sky Moon. Tiens, je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas quelqu'un dedans. C'est avec ma vitesse qu'il va falloir que je rentre dans les bâtiments. Là, plutôt, voilà, il va falloir faire les bâtiments parce que si je grandis ensuite... Eh bien, ok, là c'était chaud. C'était chaud bouillant les abonnés. Ok, parce que c'est... Après quand je vais devenir grand, ça va devenir plus compliqué d'aller fouiller dans les bâtiments. Du coup là, autant profiter de ma petite taille pour fouiller dans les bâtiments. D'ailleurs les gars, je suis toujours enrhumé, évidemment, puisque je suis allergique. J'ai des allergies. Donc n'hésitez pas à rester parce que je pense que vous êtes pas prêts vraiment pour toutes les versions sirénettes qu'on va tester. Hein. Il va y avoir des sirénettes très 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 stylées. Genre, sirénettes vieux, etc. Ça va être du très très lourd. Je vous le dis direct. Voilà, let's go, ici il n'y a pas grand chose, on a peut-être quelque chose au bout. Voilà, on a juste un petit phare, ok, bon bah écoutez, il n'y a pas grand chose ici. Ok, on a tous les bâtiments là-bas, je suis prêt à parier que des petits malins se sont réfugiés dans les bâtiments. On va le checker du côté des bâtiments, voilà, et la journée, comment ça se passe pour l'instant? Eh, c'est tellement stylé quand vous êtes rapide comme ça. Oh, j'aimerais tellement être tout le temps comme ça sur Minecraft. Ça va trop vite, ça va trop vite. C'est vrai que la vitesse par contre, j'ai l'impression que c'est l'une des vitesses les plus élevées qu'on ait jamais eues. Et là il y avait une petite porte ouverte, ce qui veut dire que quelqu'un était rentré. Ok, je fais gaffe, le problème c'est que là je suis vraiment haut comme trois pommes. Et du coup bah pour voir quelqu'un c'est assez complexe. Mais bon, il y a vraiment oh, j'ai entendu, tu m'as vu Booba? Non, t'es moche. Hardcore. Bon ok, personne dans les bâtiments, enfin personne que j'ai pu voir pour l'instant. On essaiera peut-être d'y aller avec une version un peu plus grande pour avoir plus de vision des choses. Parce que là on voit vraiment pas grand chose. Hop, ok, on va aller par là. Oh, c'est stylé. Eh, franchement, la vitesse, ça me fait tellement kiffer. Ok, ici, il n'y avait rien non plus. On peut pas sauter. Ok, dommage. Et il y a plein de... Non, je suis tombé dans l'eau. Je suis tombé dans l'eau. Alors, normalement, ils ont pas le droit d'aller dans le bateau. Mais là, je suis tombé dans l'eau. Il va falloir que je puisse remonter. Comment je vais faire? Il va falloir que je puisse remonter, les abonnés. Hein. Ok, bon, on va creuser. Écoutez, on va creuser là. Voilà, c'est bon, les abonnés. Ok, j'ai pété une rail de train. C'est pas trop grave. On s'en fout, Osef. Bon. C'est très grand et je vois pas grand chose étant donné que je suis tout petit. Donc voilà. Oh, Booba, Booba, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Bah alors Booba, qu'est-ce que tu fais là? Je le poursuis. Pour l'instant il est silencieux mais t'inquiète pas que je vais te rattraper, que je vais te buter. Oh, laisse-moi vivre. Ok, c'est bon, je l'ai toujours, j'aimerais bien faire un petit kill en étant bébé. Ok, où est-ce qu'il a pu passer? Oh, non, il y a trop de solutions, non. Non, il y a beaucoup trop de solutions. Non, je l'ai perdu, je pense, définitivement. Comment est-ce que j'ai fait? Ah, mais là, c'est le bateau, il a pas le droit d'être là. Il a pas le droit d'être sur le bateau. Donc, il a dû changer d'endroit. Et c'est juste moi qui ai dû faire de la D un peu. Ok, alors les limites. Ah, mais je suis en dehors des limites. Mais attends, mais Booba, t'étais en dehors des limites, hein. T'étais carrément en dehors des limites. Ouais, t'étais en dehors des limites. Il faut rester dans les limites. Ok, alors du coup pour l'instant nous avons pas grand chose. Je sens que j'ai pas tardé à me transformer en adolescent. Pour l'instant j'ai fait 0 kill. Eh, va falloir venir me fight hein. Vous êtes beaucoup aujourd'hui là hein. Faut porter un petit peu vos balls là. Pour venir me fight. Parce que sinon ça va durer 50 ans et je vais faire 0 kill durant ma vie. Alors du coup hop. Je vous rappelle que votre but c'est aussi de me buter. Pour l'instant je croise vraiment personne. Ils doivent être vraiment tous bien cachés hein. C'est tous des campeurs là, tous des campouses. Yeah. Bon, let's go. Ok, ici il y a personne. Ok. Et eh ben écoutez. Moi je te vois, Diabolo. Tu me vois? Ouais. Jure. Ouais. Moi aussi. Ouais. Okay. Bah t'es pas très bien caché hein. Ah bah moi j'ai pas besoin de me cacher, moi je vous chasse hein. Ouais, mais nous aussi on peut te chasser, Diabolo. Attends, il y a des flèches. Ouais, vous pouvez me chasser aussi, mais du coup je vous attends parce que là pour l'instant vous êtes tous planqués un peu. Vas-y, j'arrive. Ok. En défense. Il arrive. Ok, je vais essayer de faire un premier combat et de faire un premier kill. Déglingue-le. Diabolo. Aïe, j'ai plus cher. Il y a Koba dans la faille. Koba, t'as pas le droit d'être dans une faille, hein. C'est interdit dans les règles. Alors on les a pas dit forcément les règles dans la vidéo, mais en gros y a pas le droit d'être dans les failles de The Sky Moon. C'est pas une faille. Let's go. Ouais, mais même les grottes c'est interdit un peu. Ok, c'est qui ça? Oh, c'est pas une grotte. Oh, c'est qui ça que je suis en train de taper? C'est moi. Ah, c'est le temps Christian. Ok, on va la voir. On va le fumer. C'est parti. Ok, hop, c'est bon. Tac. Ok, je prends cher, tac, ok, c'est bon, j'espère qu'on va l'avoir. Ok, let's go, ok, il met cher,
Alors, lieutenant Christian, ça va comment là? Ça va comment? C'est bon! Je l'ai eu! Le premier kill, il y a Rezed juste ici! Rezed, je vais t'avoir aussi en bébé! Oh, attendez, oh. Les abonnés, je me sens bizarre. Oh non, 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 pas avant de trouver Rezed! Wow, ok, là je sens que j'ai grandi. Oh! Oh. J'ai repéré du monde! Stylé! Je suis en sirenette adolescent! Oh, il est stylé! Oh, je kiffe! Oh, il est trop lourd! Ok, il est déjà un peu plus grand. Bon, il est pas vraiment au maximum grand qu'on pourrait trouver, mais let's go. Ok, Rezed. Ok, Rezed. Je vais me le faire, je vais me le faire. Ok, 1, 2, 3, c'est terminé! Ah, Booba maintenant! Booba, il est juste ici, je t'avais vu! Je t'avais vu, Booba! Ok, ok. Ok, ok, c'est dur de le viser. Je suis trop grand. Aïe! Oh, ok, il a failli me buter. Il a failli me buter. Ok, très très chaud. Ok, très très chaud. Est-ce qu'il y a du monde dans... On va le poursuivre, on va le poursuivre. Booba, le problème c'est que Booba dans les hautes herbes comme ça, il est difficile à repérer. Du coup, voilà. Ok, allez, okay. Allez, let's go. Salut les mecs. Alors, let's go, on va continuer par allez, là. Allez, ils sont tous retrouvés. Ils sont tous retrouvés. Il est là-bas. Ok, non, ok, mince, j'ai fait mon saut. Il alors, hop, tuer, on va mettre ça. On va faire ça comme ça. Tac, voilà, c'est bon. C'est bon, les abonnés. Hop, ok, j'ai mangé. Ok, là c'est stylé, il y a des gros combats. Oh, je kiffe cet épisode, les abonnés. Je vous ai promis qu'il serait exceptionnel. Et exceptionnel, puisque voilà, regardez, il y a plein de monde là qui attendait pour suivre, c'est énorme. Ok, faut que je passe par là. Oh, j'ai. Oh là 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 là, je t'ai donné de mourir, les abonnés. Ok, ok. Je vais manger. Ok, ok, let's go. Ok. Allez, let's go, on va tuer Jack. D'ailleurs, qui a une tenue de McDonald's aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Allez, Jack, aujourd'hui c'est ton heure. Hein. C'est bon, j'ai Jack. Ok, bon alors, la team Booba Caris, là, ça dit quoi là? Avec Jack. Ok, les abonnés, j'ai eu le temps de manger un steak et Booba et Caris ne sont toujours pas venus vers moi. Faut que je fasse attention à la limite aussi, que je sorte pas du jeu. Ok, elle décide de faire l'assaut. Ok, ça décide de faire l'assaut. Ok, oh, il m'a empoisonné. Ok, ok. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire? What? Ouah, mais ils sont méga puissants. Ok, ok, je me casse. Ok, ok, ils sont très puissants, les abonnés. Hop, vas-y, je me passe pas. Ouah, mais je vois rien encore. Oh là 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 là. Oh là là. Je peux rien faire. Hop, on est sorti. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils me font comme effet? Qu'est-ce que tu fais toi? Allez, hop, hop. Je peux pas courir vite. Ah, je peux pas. Mais combien de temps ça va durer ça? Comment t'as fait? Wouah, mais stop! Mais c'est de la triche, wouah! Wouah, ils sont vraiment mis vénères cette fois-ci, hein! Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient tellement d'effets! Je comprends plus rien à ma vie! Wouah, mais je vois rien! Et là, je suis vénère! Je suis très vénère! Hop! Allez, hop! Faut que je fasse attention à ma vie, ok? C'est bon! Hop! Allez! Allez, c'est bon. Allez, ça dégage. Comment ça se fait que t'es pas mort? Jure avec le nombre de coups que je t'ai mis. Comment se fait qu'il est pas mort? C'est pas possible. Non, attends, mais c'est pas possible. Eh, Booba, tu triches ou quoi? Non, j'ai pris une gapelle. Wow, ok, c'est bon. T'as pris une gapelle? Bah non, mais c'est trop cheaté, une gapelle. Ah ouais, mais c'est cheaté. Oh là 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 là. Eh, commencez pas à tricher là, Booba et Carré, s'il vous plaît. Hein. Faut que ce soit safe. T'es juste pas très fort. Non, mais j'ai mis 15 coups. J'ai mis 15 coups à Booba. Il meurt pas au bout d'un moment. C'est bon. Ok. Là, je vais t'avoir, tu vois. Hop. Okay. Il est encore derrière moi. Ok. Je vais. Au pire, vous allez voir. Je vais revenir vous combattre. Vous deux. En sirenette plus puissant. Tu vas voir. Ça va être vénère. Ouais, on va voir quand je serai en sirenette vénère là. Tu vas au moins faire le malin. Ok, Caris déjà. Salut, je suis là-bas. Ok, Caris, bah alors Caris, tu fais quoi? Ok, ok. Oh, c'est quoi ce coup encore qu'il m'a mis? Chaque fois qu'il me met un coup, c'est trop vénère. Là, on va peut-être la voir. Allez, let's go. Booba, allez Booba, mais wesh, mais c'est pas possible. Il m'a mis poison. Je vais mourir. Mais wesh, j'ai deux cœurs. T'inquiète, ils l'ont empoisonné. Il est où? Je comprends rien à ma vie, les abonnés. Ok, je me sens bizarre. Wow. Oh, il est grand là.
Là, c'est bon, là. Là, on va arrêter de rigoler tranquillement. Voilà, là, on va se combattre. Par contre, je suis vraiment trop grand par rapport à eux. Hein. Ça va être tellement galère. Ok, c'est parti. Diabolo. Ok, ça c'est... Eh, hey, mais je peux même pas le frapper. Est-ce que je le frappe? Je te frappe, là? Ok, je prends cher. Eh, mais je peux pas frapper, en fait, en étant trop grand comme ça. Comment je vais faire? Ok, hop, on va passer par là. Il faut vraiment que je trouve un moyen, par contre, de les avoir. Ok, où est-ce qu'ils sont passés? Ok, ils sont là-bas. Ils sont tous là-bas. Ok, let's go. Ok, on va y aller. On va y aller, les abonnés. Ok. Regardez-moi, je cours trop vite. Ok, j'arrive bientôt. Wow, yes, c'est jackpot. Ok. C'est très dur d'évoluer comme ça en Sirenel. Vas-y, on essaye. Galère. Ouais, c'est galère. Ok. Est-ce que j'arrive à frapper? Non, j'arrive pas à vous frapper. Hein. Comment faire pour... Oh, j'ai pris trop cher. Allez, allez. Ah, mais c'est impossible. Mais comment il fait? Il faut que je ramène une arme. Il faut que je ramène une arme, les abonnés. Il faut que j'aille chercher une arme, les abonnés. Ok, on va aller chercher ça parce que là, je peux pas faire à l'épée. En fait, à l'épée, c'est vraiment trop dur. En fait, c'est trop dur de viser. Je vais tenter quand même une dernière fois. Attends, vas-y, Caris, essaye juste pour voir si c'est possible. Ah non, mais je peux rien faire en fait. Hein. Ah, mais même te toucher, c'est chaud. Ouais, je sais pas taper. Attends. Regarde, j'essaie de taper, t'es trop grand. Je peux. Attends, je vous frappe là? Bon, les abonnés, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une arme dans les entrepôts. Je vais essayer d'aller chercher ça. Voilà, on va essayer de trouver ça. Oh, regarde dans les bunkers, je suis sûr que je vais trouver quelque chose, les abonnés. On va aller checker ça. Vite fait, on va passer un grand bras dans le bunker et essayer de choper une arme. Let's go. Les abonnés, j'ai chopé un fusil d'assaut tout simplement dans le bunker. Ok, c'est parti. Ok, let's go, c'est parti, on bombarde. Ok, c'est bon. Ok, faut que je réfléchisse tourelle automatique. Parce que forcément, je viens de grandir d'un seul coup. Du coup, bah, je sais pas trop comment viser, etc. Mais là, c'est bon, je commence à capter. Ok, c'est parti. Ok, là, on est en tourelle automatique. Oh là 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 là. Oh, Angelo, je t'ai eu. Ok, tourelle automatique. Vas-y, on recharge. Ok, le jeu. La journée commence à... Ok, c'est bon. Allez, alors, attention. Il est tombé. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Du coup, il reste qui? Attends, les deux, ils sont tombés? Les deux, ils sont tombés? J'arrive pas à savoir. Il y a qui de vivant encore? Caris, c'est toi qui es vivant, là? Ah oui, c'est toi qui es vivant. Oui. Et Booba, il est passé où? Il est tombé aussi? Je sais pas. Non. J'espère... Attendez, les abonnés. Il y a combat. Je me sens bizarre, les abonnés. Wow. Oh, tellement stylé, regardez-moi, je suis le vieux Sirenhead. Waouh. Bah alors, ça dit quoi là? Ça dit quoi? Tourelle auto. Attends, mais comment? Waouh. Ah, mais Booba, qu'est-ce que tu fais là? T'es mort du coup? Je suis déjà mort à cause de toi. Ah ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon, let's go. Nous, on va y aller. Hop, c'est le combat final contre Caris. What? Mais comment ça fait qu'il y a des blocs devant toi? Mais what? Mais tricheur, regardez, il a mis des blocs invisibles. J'ai plus de... Ok, c'est bon, j'ai encore de la nourriture. T'es passé où, Caris? T'es passé où, là? Derrière, là. Il est juste ici. Ok. Et depuis quand Sirenhead, il a des flingues? Bah si, en vrai, il a déjà eu plein de fois. Chez Razel. Non, en vrai, il a eu pas mal de fois des flingues, en vrai, Sirenhead. Il a même des bazookas à des certains moments. Hop, let's go. Ok. On mitraille. Oh, combat, je te vois. Ok. Non, tu vois. Ok, let's go. Il va falloir. Allez, combat. Je me sens vraiment très fort, les abonnés, en Sirenhead adulte. Alors, par contre, là, mais c'est quoi ce liquide blanc qui fait mal là? C'est chelou, hein. C'est de l'acide. Ah ouais, c'est de l'acide. Oh, bah, Caris. Allez, combat. Non, mais va-t'en. Non, ok, je suis tombé. Je suis tombé. Ok, il va falloir que j'arrive. Allez, rejoins-le. Oh, j'ai un de mes cœurs. Ok, il va falloir que je remonte. Bon, je dois remonter à la force de mes bras. Ok, où est-ce qu'il est, Caris? J'ai fait une boulette. T'es tombé? Non, j'ai tué Koba. Il est pas gentil. Quoi? Mais attends, mais Koba, t'es mort? Je l'ai même pas vu. C'est quoi cet épisode de Fou Furieux? Allez, descends, Caris. Eh, viens, Caris. On se fait un fight sur les bords de The Scaramoon. Ok, mais je te préviens, tu vas pas faire long feu.
Vas-y, vas-y, vas-y. Attends. Pas ici, mais viens. On descend encore plus bas. Viens. On descend encore plus bas. On descend vraiment, regarde, sur le bord là, noir ici, du trou de Skyrim. Ok. Vas-y, let's go, c'est parti. Ok, c'est bon. Eh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Koba? Ok. Eh, mais il m'a tué. C'est chaud. Oh non. Il m'a buté. Ok. Eh ben écoutez, les abonnés, je viens crever. Bon, les abonnés, écoutez, je suis mort ici, à cet endroit précisément. Et ben c'est hardcore. On va aller retrouver ma petite tombe et puis voilà. Bon les abonnés, c'est ici que je suis mort. Voilà, j'ai même pas vu la cachette de Koba. Il y a Jack qui est en tenue de McDo là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Caris, t'as utilisé beaucoup de choses aujourd'hui. On verra ça dans les prochains épisodes. Mais je suis pas sûr qu'on mettra autant de trucs. Bon, en tout cas les abonnés, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette petite vidéo, voilà, comme je le dis, cette petite vidéo vous aura plu. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait énormément de monde aujourd'hui. Il y avait Zigoto, il y avait Reason, il y avait MC Logicube, il y avait Com et DK. Voilà, il y avait les deux, il y avait Invisible Man. Il y avait plein de monde, je crois que j'ai oublié personne. Il y avait Azuro aussi, voilà, un grand merci à lui. Toutes leurs chaînes sont en description. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, des potos, je vous aime et à très vite.